Vision dans le premier couloir. C'est parti pour cette deuxième course, 1600 mètres à parcourir. Alors Eagles Vision, The Jasinger Grand Vision sont bien partis. Saint Parf and the Sun. On trouve Jackalack qui tente de se placer. Béni des dieux, lui, va peut-être trouver les barres. Pour l'instant, l'extérieur de Almadar. Anderson en retrait. On trouve Orta de Yoda. À l'arrière, Jackalack qui a été ramené. High qui ferme le cortège en montée. Eagles Vision avec Nabil Sheikh Bachamia qui compte une longueur d'avance sur The Jasinger. Grand Vision s'est installé tranquillement en troisième position. Saint Parf évolue en épaisseur. Béni des dieux qui reste à l'extérieur de Almadar. Qui est lui bien placé en sixième position. On retrouve Anderson, Jackalack qui se rapproche à l'arrière Aft Deode et fermant le cortège, Haiki et Jamir Ali Hossein entament la descente. Bientôt plus que 700 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Eagles Vision qui peut aller loin dans ces circonstances. Saint Parf avec se rapproche juste à son extérieur. Grand Vision a un parcours idéal jusqu'ici. The Jasinger qui n'est pas mal non plus. Almadar également en 5-6e position retenue par son jockey pour l'instant. Béni des dieux qui est lancé par Aïe Durawan Anderson. Jackalack démarre de loin dans le sillage de Béni des dieux. After the order, Haiki à l'entame du dernier virage avec Eagles Vision. Grand Vision à l'intérieur est également lancé. On tente de revenir avec Almadar, Saint Parf. Béni des dieux lancé complètement à l'extérieur. Grand Vision face à Eagles Vision. Almadar va terminer fort lui également. Mais Grand Vision qui est l'avantage. Et Grand Vision va aller s'imposer pour la deuxième place. Eagles Vision, on trouve par la suite Almadar et les autres.